Cela se passe au fleuret d'abord, au sabre ensuite, loin du judo et autres karaté d'importation, après gymnastique abdominale et acrobatie élémentaire, chez nous, dans quatre salles parisiennes, et ce, depuis 2 ans déjà. C'est dire qu'il était grand temps de vous montrer de quoi il retourne. Au départ, un axiome. Le sport le plus rapide étant l'escrime, privé de ses armes, épée ou sabre, l'escrimeur le plus habile ne sait rien faire pour se défendre à moins qu'on ne lui apprenne à se servir de ses mains et de ses pieds. D'où d'abord la canne. Disons, si vous voulez, que la canne est au combattant ce que les gammes sont au pianiste, un exercice de virtuosité et de souplesse qui fait acquérir une technique aussi précise qu'efficace. De la canne au bâton, il n'y a qu'un pas franchi par M. Lafont avec cet instrument de son invention. Car l'auteur de la méthode s'appelle Roger Lafont. Roger Lafont dont le principe essentiel est de réunir en un sport unique, escrime, boxe anglaise, boxe française et ce qu'on appelle désormais self-défense. Le bâton donc avec lequel tout est permis. Du bâton, on passera au double bâton qui permet en outre de toucher des deux côtés, comme il est dit ici. Enfin, non pas la danse, comme on pourrait s'y tromper, mais la savate moderne. Des deux pieds et des deux mains. Un petit chef-d'œuvre d'équilibre, d'appui au sol et de rapidité. La savate moderne ou l'escrime avec les armes naturelles. L'ensemble, et c'est là l'un des aspects les plus intéressants de ce nouveau sport panaché, à la portée de tout homme, femme ou enfant, à la cadence de 2 leçons d'1 heure par semaine. Quant à la technique pure, il nous suffira d'un peu de ralenti et de l'aide de Roger Lafont soi-même pour vous en parler. Vous avez remarqué le coup de pied de flanc, le direct du gauche, suivi d'un coup de pied de figure, parade, esquive, riposte par coup de pied de flanc. Revers de la jambe avant, suivi de coup de pied bas. Chassé croisé en figure. Mais comment vient-on au panaché, Roger Lafont? Les élèves que l'on a sont habitués à une méthode complète, donc ils font l'acuteur physique et des abdominaux, ensuite certaines évolutions, certains mouvements appropriés, et en plus on passe directement à l'acrobatie élémentaire. Chassé en tenant sur le jambe arrière. En garde. Chassé en tenant sur le jambe arrière. En garde. Pas de pied bas, coup de pied de figure. En garde, pas de pied bas, coup de pied de figure. En garde, chassez, en tournant. En garde, chassez, en tournant. Un, deux, en garde, chassez, en tournant. Un, deux, en garde, chassez la jambe arrière, en sursautant. En garde, ici, chassez la jambe arrière, encore, doublez tout plus bas, en garde, marchez d'un pas. Un, deux, roupé, un, deux, en garde. Attaquez la tête. Revenez en quart, tiens, marchez d'un pas, rompez, quart, tiens, quart, tiens, quart, 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 quart,
pour laquelle l'entraînement se fait à la canne. 1, oui, à droite, sur la gauche, 1, de romper, 1, de piquer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore, 1, 2. Alors imaginez seulement que ce soit un parapluie et que vous soyez en face. 1, 2, 3, 4, pouf, là, 1, 2, rassemblez et salut. Pour couronner le tout, il fallait bien un peu de panache. En voici. Ne pas s'y tromper, il s'agit d'une démonstration, mais dans la réalité, chacun des coups ici portés serait décisif. Trois grades accessibles chacun en 8 ou 9 mois, le bleu, le blanc et le rouge. Le sport est en français, comme nous croyons l'avoir déjà dit. Et si vous ne voyez pas encore très précisément ce que l'on peut entendre par décisif, regardez bien. CQFD.